What's up tout le monde, c'est Christo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo à propos eh bien, du jeu Mafia 3 que en fait j'ai été spammé sur Facebook en disant Christo tiens regarde il y a Mafia 3 et tout, il y a une bande annonce qui va sortir le 5, donc en fait d'ici finalement eh bien, la semaine prochaine à 14h eh bien, on aura une bande annonce de ce jeu là avec des informations forcément hein, à propos eh bien, de quand est-ce va se dérouler l'histoire, peut-être d'une date de sortie, de plein de petits trucs comme ça. Là ce que j'ai essayé de faire c'est finalement reconstituer, enfin voilà, arriver à assembler un tas d'informations, enfin toutes les infos qui sont assez récentes pour vous, comme avec cette petite information où le jeu sera présenté plus en détail, donc le 5 août prochain, donc à 14h. Donc ici c'est vrai que bon on peut retrouver enfin voilà je pense que ça peut être super intéressant. Donc dites moi vous ce que vous en pensez tout ça dans la barre des commentaires de ce jeu là. Est-ce que finalement voilà est-ce que je vais sortir enfin si vous voulez vraiment est-ce que je sorte une série de de vidéos sur ce jeu là. Pourquoi pas, franchement ça peut être intéressant parce que je sais pas si vous avez joué au précédent opus en fait, que ce soit Mafia 2 ou Mafia tout court, auquel j'espère que ce jeu là enfin vous a plu parce que c'est vraiment un très bon jeu qui est bien sûr développé. Hein, je l'ai pas dit mais c'est 2K 2K Games avec ici attention donc ça c'est une sorte de petit leak. Alors après est-ce que c'est officiel, enfin c'est pas officiel mais est-ce que c'est une source sûre ou pas, je peux pas vous dire. Donc ça peut être ça comme ça ne peut pas l'être. Et alors de quoi finalement enfin de quel type d'information on se retrouve pour ce jeu là Mafia 3? À ce qui paraît hein, on devrait se retrouver dans les années 60 entre les années 60 et 80 donc on va pouvoir participer en gros et bien de l'assassinat de Kennedy donc en 1963 et que la localisation géographique en gros de ce jeu là où va se dérouler ce jeu là ça sera in the New Orleans donc voilà. Voilà, c'est à peu près toutes les informations que j'ai pu retrouver à propos de ce jeu là. C'est vrai que c'est bien, voilà, il garde secret aussi ce genre d'infos. Donc est-ce que finalement ce leak là c'est bah, voilà, est-ce que c'est du fake ou pas, voilà, ça c'est à vous de me le dire dans la barre des commentaires de ce que vous en pensez. Aussi avec eh bien finalement j'ai vu aussi une autre source qui parlait eh bien de ce jeu là Mafia 3 qui va sortir sur la plateforme PC comme d'habitude hein, à peu près tous les jeux vont sortir sur la plateforme PC mais aussi sur les nouvelles générations de consoles et non sur les anciennes générations de consoles. Donc ouais je me suis dit ça c'est bizarre parce que on est encore dans une période où beaucoup de gens sont encore sur les anciennes générations de consoles, donc la PS3 et la Xbox 360, et c'est vrai que je me dis ça c'est bizarre, mais bon c'est pas une source sûre, donc peut-être que dans cette bande annonce et tout on va pouvoir aussi qu'il sera disponible sur les anciennes générations de consoles. Ça sera assez cool parce que je trouverais ça un peu dommage de le retrouver sur une nouvelle génération de consoles. Mais bon, si on va se retrouver vraiment dans un jeu d'haute définition avec de super belles qualités d'image et tout, eh bien pourquoi pas aussi de se le retrouver sur une nouvelle génération de consoles. Ça serait en tout cas assez rassurant de le retrouver là-dessus. Mais dommage aussi pour les gamers qui sont eh bien, sur les anciennes générations de consoles. Merci beaucoup les gens. Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir. De plus sur ma page Facebook personnelle aussi, ça fait super plaisir. Dites-moi aussi ce que vous en pensez de tout ça dans la barre des commentaires à propos eh bien, de ce jeu. Parce que ouais, il n'y en a pas beaucoup qui en parlent. Mais ça se trouve, il va cartonner, tu sais pas. Puis je vous dis à la prochaine, ciao, peace out.